Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue ici au Parc des Princes pour le 8e de finale. Retour de cette coupe des vainqueurs de coupe entre le Paris Saint-Germain qui reçoit Swansea. Les Gallois de Swansea, alors au match aller, les Parisiens avaient fait une excellente opération puisqu'ils s'étaient imposés 1-0 à l'extérieur, ce qui est un excellent résultat. Et ce soir, dans un Parc des Princes qui est loin, loin, loin d'être rempli, ma foi, il y a beaucoup de tribunes, de sièges vides ce soir, malheureusement. Le Paris Saint-Germain doit assurer sa qualification. Alors, un match nul peut suffire aux Parisiens pour se qualifier. Mais c'est vrai que on attend du spectacle et surtout que le PSG confirme vraiment ce parcours fantastique qu'ils réalisent pour leur première participation de leur histoire à une Coupe européenne. Alors côté composition, pas de changement pour des Parisiens qui ce soir jouent tout de rouge vêtus, jouent dans leur maillot extérieur. Il n'y a pas de changement. Pilorget qui a le ballon, qui donne à Batnet le capitaine. Baratelli dans les buts. Lemou est aligné à droite. On voit c'est Rocheteau là qui récupère le ballon. Il n'y a pas de changement avec Kiskist sur le front de l'attaque, alimenté par Osvaldo Ardiles. Donc voilà, on espère ce soir bien sûr que Paris va tout simplement assurer sa qualification et qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise ce soir au Parc des Princes et que les Parisiens vont être très concentrés face à des joueurs de Swansea qui eux n'ont strictement plus rien à perdre. Et là c'est déjà Kiskis qui prend un carton jaune. À l'arbitre là il a décidé de sévir rapidement. Et c'est Mahonet qui va donner ce ballon en profondeur pour James. Curtis là-bas, attention, il déborde le mou. Curtis qui sente la tête. Oh, la barre transversale de Charles sur cette tête. Alors oui, on l'a dit, ils n'ont rien à perdre ces joueurs de Swansea. Et attention parce que là vraiment c'était une occasion dangereuse. Et Paris qui pour l'instant, dans ses 4 premières minutes, a un peu de mal à rentrer dans le match. Et là, c'est un coup franc. Alors pour l'instant, on le voit, les Parisiens qui ont du mal à mettre le pied sur le ballon. Fernandez, Lemou. Lemou, il n'a pas de solution. Il va rejouer avec Luis Fernandez. Ardiles. Ah non, mais on n'arrive pas. Si, finalement, Ardiles, il a le ballon. Il va servir, non, Toko, mais c'est récupéré. Mahonet. James dans le rond central. Curtis, en tout cas, pour l'instant... ils jouent sans complexe, ces joueurs gallois. Ils sont vraiment venus avec des dotations, avec des intentions offensives. Là, il faut trois Parisiens. Et Curtis qui fait un peu un festival. Mais Lemou qui récupère le ballon. Rocheteau. Allez, il faut lancer la machine. Rocheteau qui lance. Kiskis, mais Adjabzik qui récupère le ballon. Ah, ils sont un peu crispés, les Parisiens, je pense. Peut-être un peu décontenancés par le fait qu'ils n'ont pas à faire le jeu ce soir. Et là, c'est un bon tac de Morin qui vient contrer Rajkovic là-bas. Allez, il faut récupérer ce ballon. Lucien Hernandez, Daleb qui dégage son camp. Et pour l'instant, assez limpide. Les joueurs de Swansea jouent leur va-tout. Ils jouent l'attaque à outrance. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent absolument marquer ce soir pour espérer se qualifier, atteindre pourquoi pas les prolongations. Et côté parisien, pour l'instant, on le voit, ils ont du mal, les Parisiens. Ils avaient été un peu plus à l'aise au match aller. Mais ça fait partie aussi de la gestion de ces matchs européens qu'il faut savoir gérer. Lemou, Batnet, Pilorget. Allez, on fait bien tourner côté parisien. Morin, Toko. Et Toko qui va lancer Kist là-bas. Kist, Ardiles. Ah, il perd le ballon, Ardiles. Mais il y a deuxième ballon avec Rocheteau. Rocheteau qui s'engouffre. Rocheteau qui frappe. Wow, la transversale. Il me semble que le ballon a touché la transversale, on va revoir ça. Ah non, il passe juste au-dessus. Voilà la première occasion du Paris Saint-Germain à la 16e minute. Et là, il y avait un bon travail de Ardiles qui avait fait un bon travail. Kist pour Rocheteau. Allez, il est sur le côté. Rocheteau, allez, encore. Encore Dominique Rocheteau. Il va centrer. Ah, mais il n'y a personne malheureusement devant la cage. Et Paris qui commence à reprendre un peu du poil de la bête. Mais attention, ballon pour Charles. Oui, il est hors jeu, oui, oui. Mais oui, c'était bien couvert par la défense parisienne. Alors, en tout cas, un match qui commence à s'emballer. Daleb, Morin, Pilorget, Luis Hernandez.
Rocheteau, Battenet, pardon, qui va servir Rocheteau. Allez, Rocheteau, voilà, il sert Lemou sur le côté. Jean-Claude Lemou qui va pouvoir déborder pour recentrer. C'est sorti et Curtis qui récupère le ballon. Et on voit que Paris, depuis quelques minutes, va quand même mieux dans ce match. Attention, Stanley là-bas, il faut récupérer le ballon. Pilorget, Morin. Morin, il va chercher Toko certainement, voilà, dans le couloir. Il se trouve bien les deux joueurs. Toko, allez, sur le côté. Toko qui déborde, ouais, Toko qui fait un festival, qui va centrer pour la tête de Rocheteau. Et pour l'instant, ça ne donne rien. Ah, les temps se resserrent. Paris qui commence à mettre le pied sur le ballon. Et là, c'est Toko qui vient au repli défensif pour Dalev. Ouh, la faute. Oh, la faute de Charles et monsieur l'arbitre. Voilà, qui sort fort justement. Le carton jaune. Ah oui, là, c'était vraiment un attentat. Un tac par derrière. Il aurait pu être blessé. Mustapha Dalheb là. Allez, on cherche Kist, Rocheteau. Allez, il faut essayer de faire la différence sur les côtés. Il y avait la place, Rocheteau. Rocheteau qui récupère, qui revient sur ses pas. Rocheteau qui va centrer pour la tête de Toko. Ça ne donne rien. Dalheb à la tête encore. Beaucoup d'envie côté parisien, mais pour l'instant 0-0. On est à la 25e minute. Et c'est vrai que les joueurs de Swansea qui avaient dominé les 10 premières minutes de jeu, pour l'instant, n'ont plus la maîtrise. Alors c'est plutôt bon signe pour Paris. Attention, parce que là, on ne faut pas perdre le ballon ici. Mais Paris est mieux depuis quelques minutes. Battenet, Kist. Et là, une défense de Swansea qui tient bon pour l'instant. Car on le sait, un but parisien viendrait pratiquement anéantir les espoirs des Gallois. Battenet qui est à la lutte avec Curtis là-bas. Battenet, ouais, il va éviter le corner. C'est bien joué, Toko. Ah non, mais là, malheureusement, il a voulu jouer en première intention, c'était pas mal. Attention, mais malheureusement, le ballon est perdu. Charles, tranquillement. Mais Baratelli, voilà, qui vient rassurer sa défense. On est à la 30e minute de jeu, mais on voit que ce n'est pas un match facile quand même pour Paris, malgré le score du match aller. On le voit. Ils ont eu du mal à rentrer dans ce match, les Parisiens. Ils n'ont eu qu'une occasion pour l'instant. Et ils ne sont pas à l'abri de ces joueurs de Swansea qui, clairement, n'ont plus rien à perdre ce soir. Dalheb. Ah, il a perdu le ballon, c'est dommage. Il avait bien récupéré. Pilorget qui vient à la lutte là-bas. Mais ouais, il faut bien tourner le ballon. C'est le joueur de Swansea également. James. James qui va centrer là-bas. Mais Lemou qui va récupérer. Donc, finalement, c'est Battenet qui récupère ce ballon. Rocheteau. Kist. Ah, mais il faut attaquer le ballon là. Ah, Kist, il n'y était pas là sur ce ballon. Et attention, voilà, Lemou. Allez, il faut repartir. Rocheteau. Ah mais Rocheteau, il n'a pas assez de soutien, il faut repasser par le mieux. Ardiles, voilà, qui sert Morin sur le côté. Morin qui va pouvoir centrer peut-être. Il donne à Toko. Ah, il est hors jeu. Ah, dommage. Ouais, il a peut-être lâché son ballon un peu trop tard. 36e minute de jeu. 0-0. Et Morin, Lucien Hernandez. Ah, il n'a pas pu prendre le ballon. Curtis, en tout cas. Ils sont difficiles à manœuvrer, ces joueurs de Swansea. Ouais, Lemou, superbe geste. Allez, Rocheteau. Rocheteau, il y a une occasion là, peut-être. Rocheteau, il faut se séparer du ballon. Ah, il a poussé trop loin. Il y avait Kist dans l'intervalle, dommage. Parce que là, il y avait une réelle occasion. Ah oui, non, mais Ardiles, il essaye de se démener, mais malheureusement, il était pris là-bas. Il n'y a pas assez de soutien. Je trouve que les lignes côté parisien sont un peu espacées. Et ça crée trop de problèmes pour l'instant dans la transmission. Attention, il faut sortir ce ballon, Morin. Ouais, non, mais là, ce sera un ballon. Non, il faut aller le récupérer parce que le ballon ne sortira pas. Dalheb. Dalheb qui va... Ouais, il voulait chercher Toko là-bas, mais finalement, il obtiendra une touche. Morin, Ardiles. Allez, Ardiles. Aïe, 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 il a pris le ballon. On a un peu de mal, Osvaldo Ardiles, à s'acclimater pour l'instant dans le jeu parisien. Rocheteau. Il est accroché, mais l'arbitre fait signe de jouer et il récupère le ballon. Rocheteau, c'est bien, il se bat bien, mais il n'a pas de solution. Il va jouer derrière avec Lemou, Battenet. Assez compliqué pour Paris, on approche de la mi-temps. Et Paris, pour l'instant, reste sous la menace d'un but de Swansea. Allez, Toko, il est pris là, et ce sera une touche. Et Toko encore, allez, il déborde. Toko, allez, il faut récupérer ce ballon. Toko qui va centrer pour la tête de Kista. Il n'a pas pu récupérer. Il y avait Rocheteau aussi. Et on joue la dernière minute de cette première mi-temps. Lemou, Rocheteau, allez. Il faut essayer de déclencher quelque chose là. Le centre, la tête de Toko. La barre transversale. Oh là là.
Et Ardiles qui veut récupérer, mais ça ne donnera rien. Grosse occasion du PSG, voilà, c'est la mi-temps. 0-0, tout reste à faire ici, mais pour l'instant, Paris est qualifié. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde mi-temps. Allez, Michel. Voilà, oui, Michel. Oui, oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà, un coup franc magnifique. Et nous voilà de retour au Parc des Princes, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Swansea. Paris Saint-Germain est qualifié pour l'instant, si le score reste là, puisque les Parisiens se sont imposés 1-0 au match aller. Mais là, on voit que c'est compliqué pour Paris, qui a du mal à faire le jeu. Alors certes, il y a eu des occasions pour le Paris Saint-Germain, avec cette barre transversale avant la mi-temps. Puis il y avait une grosse frappe de Rocheteau à la 20e minute de jeu. Mais pour l'instant, 0-0. Les Parisiens restent quand même sous la menace. Attention, là c'est James. James qui s'engouffre dans la surface de réparation. James, oh là là, attention, il a accroché. Oh là là, l'arbitre n'a rien dit. Je pense que si le joueur tombait, il y avait pénalty. L'arbitre n'a rien dit. Allez, Kist. Kist qui va servir Rocheteau. Voilà, Dominique Rocheteau sur le côté. Dominique Rocheteau sur le côté. Rocheteau qui va tenter sa chance. Ah, la frappe. Aïe, 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 malheureusement, est trop croisée. Ah bon, on est passé d'un but à l'autre là. On a failli assister à un pénalty contre le Paris Saint-Germain. Et il y a eu juste après une occasion. Allez, Toko. Toko. Ah mais non, mais là, il est revenu dans l'axe. Mais c'est vrai qu'ils ont une solide défense, ces joueurs gallois. N'ont pas un gros potentiel offensif, mais c'est vrai que défensivement, ils sont assez costauds. Ardiles. Rocheteau. Rocheteau. Rocheteau encore. Allez, Rocheteau sur le côté. Rocheteau qui va centrer. Il obtiendra un corner. Allez, il faut essayer de marquer là. Ce serait parfait pour Paris. La tête, ah, de Kist, il peut rien faire. Et Toko qui va essayer de récupérer, mais ce sera sorti par Stanley, qui va donner à Charles. Un match qui reste indécis pour l'instant. Attention, Walsh. Ouais, il est bien pris. Ouais, Batney qui fait un gros gros match. On peut compter sur lui. Allez, Toko. Toko pour Kist. Ah, il pousse trop son ballon. C'est dommage parce que là, il y avait un bon ballon en profondeur. Allez, faut y aller là, Toko. Ah oui, mais... Alors, on a du mal, hein, côté parisien. On a du mal à produire du jeu, à se créer vraiment des grosses occasions. Surtout qu'on le sait, un but parisien maintenant viendrait tuer le suspense, hein, clairement. Allez, Batney sur le côté, attention, parce que là-bas, voilà, c'est bien récupéré. Ouais, Charles qui n'a pas pu récupérer le ballon, et Batney qui a fait un gros, gros, gros pressing pour la récupération. Kist. Toko, mais il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, c'est ça le problème. Regardez, Toko, il n'a pas de solution, il est obligé de se mettre en danger là. Morin. Daleb. Ardiles. Ah non, non, malheureusement. Ouais, on n'a pas de soutien côté parisien. Il y a un manque de lien entre les lignes. Ardiles. Allez, Ardiles, ouais, Ardiles encore. Ardiles, ah, mais il a voulu donner. Aïe aïe aïe, ils ne sont pas compris avec Daleb. Et c'est un ballon qui est bêtement perdu. Et c'est Stanley qui repart sur le côté, mais il y aura une touche. Et c'est Rajkovic qui fait cette touche, et toujours 0-0. 62e minute de jeu. Ray Kennedy. Attention, ouais, bonne récupération de Lemou, ouais, pour Rocheteau. Allez, Dominique Rocheteau qui file au but. Dominique Rocheteau, il file au but. Il va donner à Kist. Et voilà. Et voilà le but. Le but que l'on attendait. Le voilà. Et le voilà le but de Kist Kist, qui envoie certainement le Paris Saint-Germain en quart de finale pour la première fois de son histoire. Pour la première participation en Coupe d'Europe. Oh, superbe. Rocheteau qui a bien joué le coup. Il a attendu le bon moment pour la donner à Kist Kist. Et voilà, enfin, enfin, on commençait à s'inquiéter, à se faire un peu de soucis, mais voilà, Paris Saint-Germain qui marque un but important et qui envoie certainement à la 63e minute, en tout cas, les joueurs de la capitale en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Allez, Ardiles, puis Lorget, en tout cas, c'est quand même mérité. Même si... Oh là, attention, mauvaise relance, attention. Oh, il y a une grosse erreur. Et voilà, oh là là, c'est catastrophique. Oh, l'erreur de Batney. L'erreur de Dominique Batney. Et c'est Walsh qui en profite. Aïe, 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 aïe. Dans la minute qui a suivi le but,
C'est l'égalisation, alors attention, parce que là, ça peut tout changer maintenant. Car si Swansea venait à marquer, eh ben c'est eux qui seraient qualifiés et le Paris Saint-Germain serait éliminé. Mais là, c'est clairement une faute de déconcentration. Eh oui, et ça, il faut apprendre à le gérer dans les matchs de Coupe d'Europe. Et c'est un changement sur cet engagement, puisque Ardiles sort et c'est Zaremba qui rentre. Alors attention, parce que là, décidément, une soirée qui s'annonçait tranquille, s'annonce compliquée maintenant pour Paris Saint-Germain. Toko, Morin, Zaremba, voilà, qui touche son premier ballon. Zaremba, il va centrer pour Kist. La tête, mais c'est bien capté en deux temps par Davis. En tout cas, bon, Paris est toujours qualifié, mais ce but vraiment qui a été bêtement concédé. Et attention, parce que là, un but maintenant des joueurs gallois et ce serait terminé pour Paris. Ouais, attention, oh là là, Baratelli, il nous a fait peur là sur ce ballon relâché. On pensait qu'il allait s'en emparer. En tout cas, un match qui commence à être un peu fou là maintenant. Il reste 20 minutes de jeu. Attention, Ray Kennedy sur le côté. Ah, il doit s'en vouloir, Dominique Battenet. Et attention, ouais, mais là c'est un ballon qui va sortir en corner. Attention, et c'est Evans qui rentre. Adiabjic qui frappe ce ballon. Pilorget qui sort, Daleb qui récupère. Et qui sort ce ballon, qui cherche Kist là-bas. Ah, on commence à maintenant clairement chercher le chaos côté parisien. Ah mais c'est dommage, hein, parce que Battenay, il a fait un match fantastique et il est venu perdre bêtement ce ballon. Allez, Toko. Toko. Ah, oh là là, il n'y a rien. Ouais, il a été bousculé, mais il n'y avait pas faute, estime l'arbitre. Attention. James là-bas, sur le côté. Poursuivi par Daleb. Oh là là, attention. Ouais, mais Daleb qui vient faire un gros travail. Toko. Kist. Allez. Kist, il peut lancer Rocheteau là-bas, voilà, il a demandé le ballon. Dominique Rocheteau qui va centrer. C'est dans le but. Oh là, Toko. Oh, l'arrêt décisif de Davis. Oh, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable cette action. C'est dommage, on n'a pas de ralenti, mais c'était. On a vu le ballon rentrer dans les cages. De toute façon, la tête, là, ça ne donne rien. Un match qui devient fou, complètement fou ici. Beaucoup de suspense. Alors qu'on s'attendait peut-être à passer une soirée plus tranquille. Morin. Ouais, Morin, ouais, c'est dommage. Ah, il avait évité la touche, mais là, il ne trouvera personne et ce sera une sortie de but. Mais quelle action précédente, là. Toko, il s'est jeté et Davis qui a sorti un arrêt, mais incroyable. Et qui maintient en vie cette équipe de Swansea. Attention, Charles. Il ne faut pas perdre le ballon pour Walsh là-bas. Et Battenay. Ah, il y aura un coup franc. Attention. Attention, Evans qui frappe, mais Baratelli sans problème, qui vient un peu rassurer sa défense. Ah, décidément, on se fait peur jusqu'au bout là dans cette rencontre. Rajkovic, 88e minute. Ah, mais là, il faut pas maintenant, il faut plus se faire peur d'Aleb. Allez, il faut récupérer ce ballon. Voilà, pour Rocheteau encore qui est beaucoup sollicité. Rocheteau, ouais, sur le côté. Rocheteau qui va s'avancer, qui va donner. Non, aïe, 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 il a oublié. Kist au point de pénalty. Ah, c'est dommage. Ah oui, je pense qu'il avait cru que le gardien allait anticiper au point de pénalty, justement. Allez, là, il sert Kist. Kist qui sert Toko. Toko qui frappe. Et il trouve les gants de Davis. Il s'est sorti en catastrophe. Ah, ça sent la poudre. Ça sent le chaos. Et Pascoe qui rentre à la place de Mahonet. Kist. Kiss là-bas, mais il est contré. Et Luis Hernandez à la touche. Pour Kist encore. Kist qui centre pour la tête de Toko. Et ça passe à côté. Oh, décidément. Autant la première mi-temps était un peu timide, un peu insipide. Mais alors là, la deuxième est vraiment assez intense. Beaucoup de suspense. Et Paris, allez, Kist. Kist sur le côté, ouais, allez, il y va, Kist, il peut y aller encore, il va se centrer, il obtiendra un corner, c'est pas mal. Ah non, aïe, 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 je pensais qu'il y avait corner là, monsieur l'arbitre. Et finalement, c'est une sortie de but, attention, Charles, il faut bien récupérer ce ballon, Pilorget.
Puis Langer, voilà, il sert tranquillement, proprement Zaremba. Allez, Zaremba, il y va. Il sert Toko. Ah, malheureusement, la passe n'est pas bonne là, mais finalement, il récupère Zaremba. Il récupère, il tente sa chance. Ah, c'est dommage, c'était bien joué, l'intention était bonne. Ah oui, il a perdu le ballon, puis là, de rage, hein, il est venu récupérer, il a frappé. C'est pas cadré. Un partout, 89e minute de jeu. Incroyable ce match. Allez, mais en tout cas, on n'ose même pas imaginer, là, on joue les derniers instants, Luis Hernandez. Allez, Rocheteau, il faut essayer de gagner du temps, parce que là, on joue les dernières minutes, Rocheteau sur le côté. Rocheteau sur le côté, il va centrer pour Zaremba. Le petit filet, ouais, c'était bien joué, mais le ballon est beaucoup trop loin. Zaremba ne peut pas redresser ce ballon, pourtant le ballon qui tape le montant. On joue les dernières secondes. Il faut que l'arbitre siffle la fin du match maintenant, car Paris a son destin en main. Allez, Kist sur le côté. Ouais, il a de l'expérience. Kist, il va aller jouer vers le poteau de corner. Kist, il va essayer de gagner du temps. Ah, il obtiendra une touche. Voilà, en vieux briscard qu'il est, Zaremba. Toko, faut pas perdre le ballon. Faut pas perdre le ballon à cet endroit-là, Toko. Allez, Toko, ouais, c'est bien. Là, il gagne du temps, Toko. Allez, il faut jouer la montre. C'est pas très beau, mais voilà, ça peut marcher pour la tête de Rocheteau. Ça passe juste à côté, c'est fini. Et c'est fini. Un partout, Paris Saint-Germain qui est qualifié pour la suite de cette compétition. Ah, ce fut très très dur ce soir, mais voilà. L'essentiel est assuré, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Voilà, c'était Retroplay 80. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos matchs qu'on joue sur PES6 de notre patch Super Data Patch. A très bientôt, ciao.